direction la Côte d'Ivoire. En 64, Tidjane Thiam lance un appel à l'unité et à la paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Le 7 août 2024, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Tidjane Thiam s'est adressé à la nation avec un discours marquant, empreint de réflexion et de solennité. Ce discours a non seulement rappelé les valeurs fondamentales de paix et de solidarité prônées par le premier président du pays, Félix Houphouët-Boigny, mais a également invité les Ivoiriens à méditer sur le passé et à envisager un avenir unifié. Thiam a commencé par rendre hommage à l'ancien président aimé Henri Conan Bédier, disparu le 1er août 2023, saluant la nation pour les commémorations respectueuses tenues en son honneur. Il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à ces cérémonies, soulignant l'importance de reconnaître les contributions de Bédier au développement du pays. Le président a ensuite centré son discours sur la paix, une valeur chère à Houphouët-Boigny, rappelant aux Ivoiriens que « la paix n'est pas un mot, c'est un comportement ». Il a illustré son propos en évoquant l'indice de développement humain, IDH, une mesure globale du bien-être, pour montrer comment la paix a favorisé des progrès significatifs en Côte d'Ivoire, alors que la violence a entraîné des régressions dramatiques. Thiam a rappelé les classements de la Côte d'Ivoire dans l'IDH, notant la dégradation de cette position depuis la fin des années 1990 en raison des conflits internes. Il a insisté sur le fait que la violence et les conflits ne sont jamais la solution, exhortant les jeunes à rejeter ces tentations destructrices. Le discours s'est également tourné vers les enjeux actuels et futurs, notamment l'élection présidentielle de 2025. Thiam a appelé à des élections transparentes, inclusives et pacifiques, soulignant la nécessité de faire de la politique autrement, en mettant de côté les invectives et les injures pour privilégier des débats constructifs sur des questions cruciales pour l'avenir du pays. Le président du PDC-RDA, Tidjane Thiam, a rendu hommage aux forces armées et aux athlètes ivoiriens, symbole de la fierté nationale, et a réaffirmé l'engagement du PDC-RDA à construire une Côte d'Ivoire unie, tolérante et prospère. Son appel à la solidarité, à la paix et au respect mutuel résonne comme un message d'espoir et de détermination pour tous les Ivoiriens.